Bref, C'est bon, c'est quoi? c'est reparti. Alors, mais où êtes-vous? Bah moi en fait, je me suis fait péter par mon keeper et j'ai perdu tout ce qu'on avait. Avec Maxime et moi. Oh, ah, mais je sais pourquoi je meurs! Putain. What? Oh! Ah, ok. Starved to death. Après, j'avais pas vu. Je suis mort comme un con. Jour, nuit. Kevin? Oui. C'est bon là, t'es. Mais oui, on est parti, hein. On s'est jamais arrêté, hein. Mais c'est quoi ce bordel? Je me fais one shot par un zombie. Il existe même pas. Ah oui, quand même, il existe même pas. Ah non, je vois pas de zombie en fait. Je me fais one shot d'un coup. Mais il se passe quoi là? Le seul zombie qui est, il est à 15 mètres de moi, et je me fais toucher quand même. Bah, tu l'as peut-être pas vu, tout simplement, voilà. Apparemment, le zombie est costaud. Ou alors, il a une sorte de force lévitationnaire. Synchronisation. Putain, j'ai cru faire rien, elle est pété. Ouais, tout va bien. Allez, hop. Par contre, j'ai perdu tout notre stuff, hein, avec Maxime, hein, je suis désolé. Bah ouais, j'ai perdu, j'avais plus de quasiment un stack de fer. Ouais, je suis d'accord. Et j'en avais... Là, par contre, j'avais un stack de fer complet, donc... Les gars. Quoi? Je constate qu'en fait, j'ai dit qu'il fallait qu'on garde du fer pour les portes, mais on vient de gaspiller finalement 12 blocs de fer. Parce que ça sert à rien. Il y a une poule dans la grotte. Si, 12. Poule dans la grotte. Mais laisse-la faire ce qu'elle veut. Ouais, bon. Okay. Rien à foutre là, je suis désolé. La grotte est censée te faire peur. Et comme sur une poule, je suis désolé, tu dois être déçu quand même. Alors, je tiens quand même à dire qu'il y a certaines choses notables qui ont changé grâce à la 1.3. Changement de sujet. Bah oui, il faut quand même le dire, hein, on va pas juste. Alors, dis-nous tout, Kevin, qu'est-ce qui a changé? Bah, déjà. Des choses que beaucoup de gens demandaient déjà, écrire dans les livres. Oui. Ce qui apparaît quand même comme quelque chose d'assez utile. Oui. C'est utile ça. Bah par exemple, pour donner des règles. L'intervention de Maxime se passe de commentaires, il a raison. Ah bon? Ok, alors. Tu expliques que tu vas foutre quand t'es en solo, tu vas écrire dans les livres. Alors, je peux expliquer. Est-ce que je peux expliquer? Ok. Donc... Ouais, tiens, la poule. Alors. Pourquoi? Parce que vous savez bien que dans les maps multijoueurs, par exemple, les maps aventures, quand on est à deux, tout ça, et ben, ils sont obligés d'écrire les règles sur 30 000 plaquettes, là. Et ben, grâce à un livre, il suffira juste de le prendre et de le lire. Oui. Par exemple. Et si tu ne sais pas lire? Et ben, en même temps, ben, t'as rien à foutre sur Minecraft. Hein, désolé. C'est de l'écriture, il y en a partout. C'est du racisme. Je suis désolé. Ouais, mais indirect. Oui! J'ai retrouvé tout mon stuff! Moi j'ai plus rien. Oh, tiens, j'ai ton étant en fer. Oui, j'ai enfin l'étant en fer. C'est toi qui avais mon stuff, j'ai vu en fait. Ah bah oui, j'avais tout. Ah, mais tu tapes quoi? Je la vois pas, l'araignée. Je bug. L'araignée est dans le trou là, je sais pas, elle est. Eh, les copains, j'arrive. Ah, c'est mieux. Mais c'est le bordel en fait cette session. Session Bagdad. Alors, entre les poulets Call of Duty et les araignées invisibles, on est mal barré quand même. Putain, mais c'est n'importe quoi. Les mecs, on joue à Halo. Halo, oui. C'est dans Crysis, t'es combien invisible, excusez-moi. Vraiment, c'est vraiment chiant de te faire passer quand tu fais un problème. Tu fais genre, je suis bloqué, alors non, laissez-moi. T'es obligé de ouvrir les deux en même temps. Oui, mais. Mais c'est une protection optimale, c'est bon, cherche pas, t'as tort. T'es sadique, hein, Kevin. Mais je pas pensé à ça, t'es sadique. Je sais même pas ce qu'il m'a obligé à faire. Mais mec, il y a une araignée qui arrive dans la maison. Encore? Ouais. Mais parce que ça cause des escaliers de Rémi. Mais je m'en fous, c'est pas moi qui l'ai fait cette fois. De quoi? La maison, c'est pas moi qui vais me faire chier à la refaire. Bah non, t'inquiète pas. Me faire chier à la refaire, c'est toi qui l'as fait. Merci, Kevin, d'ailleurs. Pas de quoi. Ah oui, et donc je parlais de l'1.3, donc en plus des livres, les bûches qui peuvent être placées sous tous les angles. Alors, Kevin, comment te le dire poliment, avec Maxime, je crois qu'on est d'accord, hein, on se fout complètement. Fais gaffe à ce que tu vas dire. Ça y est, c'est dit. Ok, bah d'accord. Allez, prochaine fois, je ferai gaffe à ce que je dis. Voilà. J'ai retenu la leçon. Et personne n'a eu la présence d'esprit de tuer l'araignée qui était à l'intérieur de notre baraque. Bah non, mais j'ai pas d'armes moi, donc j'étais obligé de la ramener, ça va être. Ouais, mais t'as un cerveau, Maxime, non?
Oh merde, je ne veux pas que vous l'amenez à la nuit. Chez Kevin, il est pas. Alors. Bref, sur ce. Ok, ah oui, moi tiens, moi aussi je me fais attaquer par une araignée invisible, c'est assez marrant. Ok, bah je m'en fous. Je ferai une session à part où je parlais de la 1.3, même si c'est trop tard parce que tout le monde l'a déjà fait. Je sais pas, moi je suis en train de me faire exploser par une araignée. C'est quoi ce hasard? Bah oui, c'est moi, c'est ça. Pourquoi est-ce que je meurs? Et pourquoi est-ce que je prends des coups? C'est moi qui tape. Je te vois pas. Rien. Non mais je te jure, je vois personne. Non, mais d'ailleurs, arrête de me taper d'ailleurs. T'as une vie infinie, quoi, là, c'est pas possible. Tu m'enlèves demi-cœur par demi-cœur et c'est de trop du fût. Trop du fût, oui. Mais arrête de me taper sérieusement, Maxime, sinon je vais m'énerver et je te jure, je te retrouve des RL et je bouffe ta mère. Pardon. Eh mais tu te téléportes, mais je t'assure, c'est énorme. Rémi est un homme Call of Duty. Mais Rémi, tu meurs vraiment. Mais attends, mais je te jure, j'ai plus qu'un cœur. Attends, je vais tester. Non, non, ouais, arrête, non. Sorry. Bah non, tu vois, t'es pas mort. Ah bah si. Espèce de con. C'est officiel, Maxime est un gros. Je suis caché, Rémi. Bon, les amis, je crois que la session va être interrompue de temps en temps parce que j'ai une petite sœur très énervante. Alors. Que disais-je? Je suis caché. Puis la langue. Et celui qui me trouve, franchement, balèze. Je sais pas, moi je te vois même pas, t'as réussi à me tuer alors que je voyais quelqu'un. Rémi, pourquoi tu voles? Parce que oh, téléportation. Mais c'est quoi ce. T'as vu comment il lag? La session de bug. Non mais attends, tu connais pas la meilleure? C'est que Rémi, en fait, c'est un Jean-Kevin. C'est un Mexicain là. Je vends en Mexicain. Moi aussi, je suis en Mexicain. Mais je te vois aussi en Mexicain. Mais non, mais c'est pas. Mais attends. Moi, j'ai mon skin normalement. Enfin, ah, mais je suis aussi en mexicain. Bon, attention. Attends. Hop là. Alors. Mais pourquoi est-ce que je suis en mexicain? Ah, mais c'est un bug de Mojang, des fois, ils font ça. Enfin. Mojang? Non, en fait, depuis la 1.3, il y a quelques bugs comme ça qui subsistent. Et puis c'est pour ça qu'il y a eu la 1.3.2. Non, c'est pas pour ça qu'il y a eu la 1.3.2. Bah, il y a quand même des fois, il y a des mises à jour, rien pour y. Oui, mais pas pour ça, non. Bah d'accord, avec plaisir. Oh là là, non, mais... Attends, t'as du stuff, quoi. Attends, laisse-moi récupérer ton stuff avant, je t'en prie. Où est-ce qu'on a mis tout le fer? Dans ma main. Ah oui, c'est toi, Kevin, qui l'a eu, tu m'as tué. Enfin, non, je t'ai tué par inadvertance. Bah non, pas vraiment par inadvertance, c'était prémédité, tu m'as fait... Attends, c'était à ce qu'a-t-il à dire, toi. Bon, en tout cas, j'espère que Rémi et Maxime ont passé de bonnes vacances. Au moins. Tu sais, si j'ai passé des bonnes vacances, t'étais avec quoi la plupart du temps? Ouais, mais je parle de Maxime, tais-toi. Bah, Maxime, je sais pas, je m'en fous. Maxime? Mais non, je rigole, je t'aime bien, Maxime, tu sais, je fais ça au cas où il est là. En fait, je le vois pas. Oui, c'est quoi? Mais je suis en train de tourner en rond depuis le début de la session, mais ça craint. D'où tu casses mes arbres? D'où tu casses mes arbres là comme ça, toi? Vas-y, putain. Oh putain, mais arrête de me taper, sérieusement, j'en ai trop marre. Ouais, non, on n'est pas là pour se taper dessus, maintenant, on est sérieux un peu. Ouais, voilà. Bon, Tiens, Rémi. Rémi, tiens. Je voudrais qu'on ait un peu de fer, s'il te plaît. Tiens. Moi, je te donne même... bah, tout bon, ça. Pardon? Oui, mais du charbon, s'il te plaît. Tu veux du charbon? Ah oui. Pour faire cuire le fer. Tiens, c'est voilà. Bien d'avoir du fer en bloc, mais ça sert à rien. Pourquoi t'as autant de torches? Parce que j'ai pris aussi celle-là, Maxime. Ah bah oui, normal. De toute façon, on savait tous que c'était une victime. Je dis... C'est qui la victime? Comment? Non, mais non, j'ai cru mal entendre, mais c'était moi la victime. Ah bah... Non, pas tu sais. Ok, mais en fait, t'es vraiment... Aïe! Les gars, faut qu'on se fasse un petit peu de la nourriture, faudrait qu'on se fasse un manger. Oh là là, oh. Non, mais... Bah si. Il y a eu des temps. Il y a eu un meurtre cubique. Une calotte là, vu qu'il arrive avec son épée et tout. Bia. Il arrive avec ses gros salauds et tout. Aïe, mais je me fais taper par quoi là? Je sais pas, je me fais taper par un peu de merde. Raté. Bon, alors pour ceux qui ont ma vue, eh ben, j'ai essayé quelque chose et j'ai fait un gros fail. Voilà. C'est pour ça que la chaîne s'appelle Les Jeux sont faits.
En même temps, je suis en train de constater, je voulais faire un bêtisier de toutes les conneries qu'on faisait, mais en fait, il n'y a pas tant de fail que ça, et ça va pas du tout. D'accord. Ok, maintenant je vais me jeter dans l'eau pour qu'on puisse avoir un peu de plein de fail. Vas-y, je te filme. Je blague, hein. Ah. Comme il crée le buzz sur internet. J'aime pas quand tu t'approches comme ça de moi, Maxime. Rien derrière toi. Oh non, un couple de Mexicains gays. Pardon. Totalement déplacé et complètement raciste envers les gays. Petite musique d'ambiance en plus. Ah là là. Se dit, j'ai rien contre les gays. Hein. Il y a une grotte ici, Rémi. Bah oui, c'est la grotte de tout à l'heure. Non, non, non. Ah, bah si. Voilà. Ah ouais? Tiens, vous voulez que je vous montre un truc qui va vraiment vous scotcher, les gars? En fait, c'est pas du tout sécurisé chez nous. Hein. Le nombre de trucs inutiles que tu dis par seconde, Maxime, c'est impressionnant. Attends, mais c'est tout. Mais t'as vu? Non, mais inutile. Ouais, c'est que la parole, mais toi, il y a les actions aussi. Hein. Excuse-moi, la porte. Ouais, les actions. Et elle se retrouve pas si difficile de faire. Voilà. Je pense que Maxime, niveau action, il peut se taire avec son chant à de mes deux, là. Faut avouer. Bon, les gars, on va arrêter de s'insulter, et maintenant, on va devenir sérieux. Déjà, j'insultais pas, j'insultais son chant, d'accord. Ok. Et en plus de ça, je travaille, là, hein, ok. Bon. Ah, d'accord. Tu fais quoi déjà? Bah viens voir, je suis en train de sécuriser le sous-sol, la personne peut rentrer là maintenant. Tiens, c'est intéressant de sécuriser un... Non, mais en fait, tu sécurises le sous-sol, sauf que la grotte, je te rappelle qu'elle est ouverte à l'extérieur. Et non. Vas-y. Non, non. Ah, allez hop. Bah viens voir. Non, non, bah oui. Kevin, là c'est pas du tout sécurisé. Je suis en train de le faire, espèce de... Non, mais venez voir. T'es où? Là. Juste à votre droite. Juste à votre droite, là, Kevin. Et ben quoi? Mais attends, tu crois vraiment que les monstres, même si leur intelligence était augmentée, tu crois vraiment qu'ils vont penser à faire tout le tour de la grotte pour venir chez nous? Regardez, vas-y, rentre. Regarde, déjà c'est tout noir ici, ça peut sans problème. D'accord, mais regarde, c'est plus noir, voilà, t'es content. Hop. Et là, direct, dans la maison. Mais arrête, ils vont pas avoir l'intelligence de faire ça! Ah bah on sait jamais, hein. Mais non, mais. Y'a que toi pour penser ça, Rémi. Rémi. Oh, pardon, lapsus révélateur. Mais. Oui, en plus, y'a une porte. Une porte qui sert à rien en hardcore. Hein, mais... Ouais, une petite. Bon, alors on a de la laine qui sert à rien. On a quoi d'autre? On essaye au moins de finir la. Comment on appelle ça déjà? La maison. Oui. Non, mais la maison, elle se finira jamais. Ah d'accord, ok. Non mais vraiment, je vais en faire une très grande, je pense, mais vous prendrez le relais parce que j'en ai marre. Dis-moi, il y a ma soeur quand on était à la maison, hein. Oh, rien que ça. Pardon? Bah putain, ça c'est... Il y a de l'ambiance chez vous, hein. Il y a de l'ambiance dans ces boîtes jaunes. Moi, chez moi, c'est mort. Genre, il joue à des jeux avec sa soeur. Ouais, bah c'est rigolo. Bah voilà, donc c'est pas mort du tout. Et moi par contre, je suis mort. Maintenant. Hop. Et voilà. Bah écoute, je meurs de faim. Faut être con. Bah, faut surtout avoir faim. Faut manger aussi. Ouais, mais bon, manger pour moi, c'est pas la priorité. Déjà, c'est de vous protéger. Y'a de la bouffe dans le coffre. Ah bon? Oh, il est gentil, t'as entendu ce qu'il a dit, Maxime? C'est vraiment mignon. Hey, y'a de la bouffe dans le coffre! Putain, mais arrête de me tuer, j'en ai marre. Merci. Par principe, j'aime pas trop être tué. En fait. Hop. Je peux rien ramasser. Alors. Je suis foiré, mais littéralement. J'ai fait un truc tellement moche. Mais pourquoi tu fais ça? Mais parce que il a raison à ce niveau-là. Non, mais... C'est inutile en hardcore. Y'a aucun mob, y'a aucun mob qui va passer par là. Hein. Putain, mais il y a deux secondes, tu disais que si. Mais non, mais y'a aucun mob qui va venir pour défoncer la porte là, quoi, franchement. Et bah, trop tard, y'a même plus de porte, donc ils viendront pas la défoncer. Ouais, ça c'est fait, boum.
Non mais franchement, mais c'est vrai Maxime, t'as pas raison. La logique madinerait. Madine. Made in. L'anglais made in Rémi. L'anglais made in, oui. Made 1, hein, d'accord. La session de merde. Vous vous rendez compte le nombre d'arbres qu'on a bousillé, je crois qu'on a détruit l'écosystème de Minecraft. Pour un arbre détruit, détruisez-en 10 de plus. Ça se replante, hein, les arbres. Ouais, bah ouais, exactement. D'abord. Par contre, niveau arbre, il y en a que deux ou trois autour de nous, là, c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose. Il y a juste les boulots et on s'en sert même pas. Bah, il faut remplacer, quoi. Ouais. Ah oui, et s'il y a aussi un truc qui est intéressant dans la nouvelle mise à jour de Minecraft. D'accord, il me dit de me la fermer et puis après il commence à dire oh, ouais, ok. Tu vois, tu n'es pas intéressant. Bah vas-y, parle, hein. Il y aura des représailles, c'est bon. Non mais parle, il n'y aura pas de représailles, c'est bon. J'ai peur. Non mais en fait c'est que maintenant quand on fait des... Kevin, ta gueule. Oui. Enfin avec le bois quoi. Cours. Là, là. Les gars, c'est parti. Ta-t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 a. Oh, ils se battent entre eux. Oh oui, attends. Ils se battaient entre eux. Aïe, t'as pas vu ce que j'ai ramené devant la maison? J'ai ramené un... Oh oui, putain, il y a un squelette. Il y en avait trois juste avant, tu vois. Il y a un squelette qui est bugué. Ah, voilà, je l'ai. Et... ta 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 ta. Oh, je suis foiré. Ouais, mais t'arrêtes pas de te foirer quoi. Non, ouais, mais dans la construction là j'ai un peu de mal aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux qui nous demandaient, parce que oui, il y a des gens qui m'ont demandé malgré nos 25 abonnés, quand est-ce qu'il y aurait des nouvelles constructions? Eh ben, au fil de la semaine. Enfin, au fil de la semaine où on enregistre. Et vu qu'il me faut 3 semaines pour monter une vidéo de 15 minutes, bah voilà. Décembre. Début décembre. Début décembre, vous aurez des nouvelles vidéos. Le creeper ne peut pas t'entendre. Le creeper ne parle pas. Hop là. Mais ce n'est pas drôle d'ailleurs parce que le creeper... Aïe. Ça veut dire qu'il est... Mais je me suis mis devant, je te sauve la vie et il me tape, vas-y. Ils n'ont rien du tout, attends, je suis en train de me voler mon kill. Comment ça? J'ai que un point d'expérience. Tu disais quoi? Le creeper, parce que personne n'écoute ce que tu dis justement. Oui, tu parlais de la nouvelle mise à jour de la 1.3. Ah non, pas du tout. De temps. Bah vas-y, non, on t'écoute. En fait, bah, par rapport à la mise à jour, c'est quand tu poses un cube de bois, et sa position ne sera pas pareille par rapport à comment tu l'as mis. Enfin, oh, il y a des poules, c'est vrai. Volent. Des poules qui volent. Des poules qui volent, ouais. En gros, poules, ce que je veux dire par là... Ah oui, non, mais les poules qui sont complètement buggées. En gros, ce que veut dire Rémi, ça veut dire que avant les cubes, ils pouvaient se poser que comme ça, les cubes de bois. Oh bah, oh le gros bug. Ok. Bah ça y est, ça vous a révélé. Avant ils pouvaient se poser que dans ce sens-là. Et maintenant, dans la direction où vous regardez, ils se mettent. Donc, comme ça, par exemple. Bah, ils peuvent se mettre. Est-ce que c'est bien expliqué ? À l'horizontale. Non mais je leur montre en même temps. Okay. Je pense qu'il y a un squelette sur une araignée, les mecs. Mais ah oui. Kevin, ramène-toi. Mais je vois. Mets-toi, bordel, que. Ils sont juste derrière la maison, Kevin, derrière Rémi, là, il a suffi. Oh, oh, ils m'ont tué en un coup, sérieux. Oh le Steph, mais je me casse, il est où Steph? Non. Non mais le Steph, je m'en sers juste pour la maison, on s'en fout du Steph, les gars. Putain, c'est solide le bordel, hein. Mais on va mourir.